C'est vrai pas, que le ministre je... de l'Agriculture est favorable au glyphosate, Parc Fesneau Non. Euh, Ça, c'est une rumeur Non, ben, il a exprimé très clairement les choses. Il est favorable à la sortie, il est favorable aussi à regarder... Je dirais un mot là-dessus, parce qu'il y a une grande injustice sur cette affaire du glyphosate, je trouve. Euh, il est favorable à regarder aussi là où il y a des impasses techniques. Mais il n'y a pas partout des impasses techniques, et majoritairement, on peut en sortir. Mais l'injustice un peu crasse de cette affaire, mais c'est notre faute, c'est sans doute qu'on a mal expliqué les choses, c'est que l'accord européen des démarrages, c'était euh, le glyphosate, encore 10 ans, on a obtenu 5 ans. Et par ailleurs, que le président de la République a dit, c'est pas 5, c'est 3 en France. Puis après, on a dit, ben, vous voulez pas interdire le glyphosate Bah oui, mais enfin, on avait, ouais. on a, on avait quand même été très loin. Ouais. On est le seul pays du monde à, interdire, à avoir la volonté d'interdire à 3 ans le glyphosate. Et, et c'est dans ce pays-là qu'on fait le plus le reproche au gouvernement sur le glyphosate. C'est quand même un truc un peu. C'est une injustice, parfois... marc euh... C'est une forme d'injustice, c'est pas grave. Hein. Mais ça doit interroger sur la manière de communiquer les choses et d'expliquer les choses, parce que c'est quand, quand même un sujet qui est sérieux. Hum, euh, qui a oui. préoccupé beaucoup les Français. Moi, je me suis fait insulter euh, quand j'étais député parce que j'ai refusé qu'on le mette dans la loi. Euh, et en même temps, on, avait, on, est, on est le pays d'Europe qui a été le plus loin sur cette question. Donc, c'est quand même un petit sujet.